Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le tag quel genre de fille es-tu? Donc si je regarde pas là c'est parce que j'ai des questions, vous savez maintenant. Alors donc j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Sandria Vatsis France, je pense que vous la connaissez. Mais au pire je vous mets quand même son adresse en barre d'infos. Alors donc on va commencer. Êtes-vous sophistiquée, androgyne, BCBG, féminine, femme enfant, naturelle ou glamour? Je dirais féminine, naturelle et glamour. En fait, ça dépend. Donc, il y a des jours où je peux juste me maquiller vraiment tout petit peu, juste, donc ça fait genre super naturel. Il y a des jours où ça peut être plus glamour, genre un trait d'eyeliner comme aujourd'hui, ou avec un rouge à lèvres un peu plus flash. Féminine parce que bah, j'aime bien prendre soin de moi, tout simplement. Alors, vous êtes plutôt trouillarde, sensible, bonne poire, douillette, têtue ou casse-cou? Sensible, extrêmement sensible. Je pleure pour un oui, pour un non. Je pleure quand je regarde la TV. Je pleure parce que même en lisant un texto, j'arrive à pleurer quand on m'envoie un truc triste. Enfin, voilà quoi. Trouillarde, je suis une grande couillonne. Mais je suis aussi casse-cou. En fait, ça dépend. Donc, on m'a déjà couru après avec une hache quand j'étais avec un ami. Quand j'étais plus jeune, parce qu'on faisait chier le monde, enfin, voilà. On a quand même bien rigolé. Enfin, on faisait pas chier, c'est eux qui lançaient des pierres sur le toit d'une maison. Moi, je faisais rien et je me suis quand même fait courir après. Enfin, bref, peu importe. Donc, casse-cou, parce qu'à ce moment-là, j'avais peur de rien. Maintenant, c'est vrai que je me suis un peu assagie, si je peux dire ça. Voilà. Douillette, oui, ça dépend. Parce que j'ai quand même fait mes 3 tatouages et mes piercings. Ça dépend. En fait, quand je sais que je vais faire une prise de sang ou quoi, là, c'est... Enfin voilà, et quand c'est mes tatouages, je m'en fous. Et alors donc, têtu aussi, ouais. En fait, je suis un peu tous de ça parce que c'est pas un melting pot, quoi. Têtu, ouais. Je déteste avoir tort et donc, avant que j'admette que j'ai tort, il me faut le temps. Et enfin voilà, ça le caractère des fois. Alors, vous êtes boîte de conserve, petit plat, cuisine de grand-mère, surgelée. Petit plat et cuisine de grand-mère. Et surgelé pour les frites, etc. Enfin, voilà. Parce que j'adore la cuisine de ma bonne maman. Donc, voilà. Vous êtes plutôt susceptible, curieuse, bavarde, manipulatrice, vénale ou menteuse? Je suis susceptible. Il y a des fois où on peut me dire n'importe quoi, genre « Oh, t'es moche, ok. » Mais il y a des fois où on va me dire « T'es moche, je pète un plomb. » Enfin, je prends cet exemple-là, genre « T'es moche » ou « Tu pues ». Non, on m'a jamais dit ça, heureusement. je sais pas, ouais. Bah, susceptible, ça dépend, ouais. Franchement, des fois rancunière, ouais. Alors, bon, j'ai perdu mon truc. Je suis curieuse, ça c'est un vilain défaut. Je suis une grosse curieuse. J'aime bien mêler me mêler les affaires. J'aime bien écouter les affaires des autres. Des fois, c'est pas bien. Mais bon, c'est comme ça. Je suis bavarde avec ma famille et mes amis. Des fois, ils peuvent pas en placer une. Même avant, mon papy il me disait « T'as remonté les batteries aujourd'hui ?» Parce que je parlais tout le temps. Pas manipulatrice, je pense pas. Et menteuse, non. Vous êtes plutôt jeans, jupe, robe, jogging ou pyjama? On va dire jeans en hiver, jupe et robe en été. Jogging quand j'ai la flemme et pyjama tous les jours. Enfin, le soir, bien entendu, hein. On s'est compris. Vous êtes plutôt basket, bottes, ballerine, écrase-boue ou escarpin? Alors, basket, c'est très 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 rare. Bottes et escarpin. Donc, comme je disais, basket, c'est super rare. Bottes, oui, et ballerine et escarpin, rare aussi. Vous aimeriez être blonde, brune, rose, chauve ou bicolore? J'aimerais bien être brune, mais que j'ai déjà fait des couleurs brunes, mais ça dégorge à chaque fois, donc ça vire au roux pas beau. Ceci, ce sera beau roux, ça me dérangerait pas, mais ça vire à chaque fois un truc très moche. Vous pouvez voir Cédric là. Bref. Alors, vous êtes plutôt rock'n'roll, valse, slow, hip-hop ou breakdance? Un peu de tout, ça dépend en fait. Alors, vous êtes plutôt maladroite, habile, étourdie, rêveuse ou puérile? Maladroite et rêveuse.
Et enfin, êtes-vous réellement la personne de vos vidéos ou il y a une arnaque sur la personne? Ben, enfin, genre, on va dire que je suis la personne de mes vidéos, je vois pas pourquoi je serais une arnaque. Puis les personnes qui m'ont déjà vu en BV savent que je suis pareille. Donc voilà, j'espère que cette petite tag vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.